Pareil. Pareil. Oui. Al sur ton cocon, avant ton soleil, la vie est mauve, comment ça mal. La vie est mauve, même en brouillard. Je viens du groupe Zescacan, c'est un groupe de l'île de La Réunion. Et moi, c'est Gilbert Pougna. Et puis, depuis 40 ans, je suis un peu sur la route avec ce groupe. Et la musique, il fouille au corps. C'est une longue histoire. Ça a démarré dans 78-79, avec en compagnie de poètes, écrivains, musiciens, conteurs, conteuses, tout ça. C'est un mouvement où c'est qu'on voulait mettre en avant et en valeur notre histoire à travers une langue, ben la langue créole. Et soleil, il frise sur le de la mer. Et t'y femme, il danse doucement. Et t'y femme, là, il danse dans l'eau. Écoute bien la brise, écoute son romance. Oublie la peur, oublie la mort. Oublie les rêves jusqu'à ta l'heure. T'invente la rivière, allez bien d'y coup. Par devant toi, soleil flamme. Lis comme un brasse, c'est ton figure. Que la lumière fait noir, trouve son bal. Et t'es à la barre, mon infâme. Il malparaisse toutes son histoire. Il malparaisse toutes son histoire. Papa, c'est l'un des premiers fonctionnaires qui a quitté La Réunion, venant d'un milieu très très modeste et qui a été faire des études. Il est passé par Bruxelles, il est passé par la France, tout ça. Quand il est revenu, il a ramené un accordéon. Il m'a donné le goût de tout ça. Bien plus tard, j'ai une guitare et on jouait sur un bon mur comme ça, sur un muret, on jouait là-dessus comme ça. Et puis, ah, ça swingait, ça vraiment, on jouait vraiment d'oreille, d'oreille. Et puis on chantait, tout ça, les morceaux du moment. Et par la suite, j'ai été faire mes études à Lyon et j'ai été à l'école d'éducateur. La musique est devenue un outil relationnel fort pour moi avec les jeunes quand j'étais en stage à droite à gauche. Quoi. Invente un musique, la couleur lance, la ville est morte, comment ça mal. La ville est morte, tellement facile. Invente un soleil. La couleur, le temps. Quand je suis revenu, mes copains étaient poètes, écrivains, ils avaient sorti des bouquins, on a mis en musique. J'ai été sollicité à un moment donné, et là on a commencé à mettre en musique, et les textes étaient vraiment des textes différents, des textes très très forts, qui interpellaient, mais tout le monde, moi aussi dans le tas. Les îles portent une histoire des gens qui ont été déplacés de partout, quoi. Ce métissage, quand même, à la base, n'est pas si simple, parce qu'elle est née quand même du viol, de la violence, de la souffrance, de par l'histoire de l'esclavage et des langagismes dans les îles du monde. Donc on a retranscrit ça un peu dans la musique et dans les textes qu'on a portés, parce que les gens avaient besoin aussi de s'approprier un peu eux-mêmes, quoi. Parce que dans les livres d'histoire, voilà, dans les livres du sang, on ne trouve pas notre histoire. Notre histoire est toujours en fin de page, sur deux, trois lignes, quoi. Thank you.
toutes les familles créoles, à l'époque, il existait un cahier de romance. Où c'est que ça échangeait autour du cahier de romance le dimanche après-midi, dans les familles, tout ça, et puis ça chantait, chacun partageait les chansons. Donc déjà, c'est un univers musical. Ma mère, elle soufflait d'un peigne avec un plastique dessus. J'ai un arrière-grand-père qui jouait des cymbales dans les cérémonies indiennes. Et puis, il y avait les orchestres de bal qu'on suivait. Et tout ça, les anciens, et qui nous ramenaient un peu les variétés étrangères. Donc ça nous faisait connaître un peu ce qui se faisait ailleurs, quoi. Et dans les mariages, dans les bals, tout ça. Moi, j'étais toujours devant l'orchestre, quoi, à observer, à regarder, écouter les gens. Ça, c'est des moments forts. L'école du bal, c'est dans mon héritage, quoi. C'était une autre époque, j'ai joué difficilement, j'avais pas vraiment de lieu. Les radios, les télévisions, ainsi de suite, parlaient pas de nous. Les journaux, quand ils parlaient, c'était pour nous descendre. Et le truc, c'est que le bouche à oreille a fonctionné. Et les gens, le public est venu vers nous, comme ça. Et donc, on était gagnants. Il y a cette musique électronique qui arrive, que les jeunes commencent à pas rejeter le traditionnel ou l'acoustique. Ils arrivent à faire leur propre mélange maintenant. Et c'est beau, hein, c'est beau, parce qu'ils laissent de la place. Et qui est là, mais il y a ce côté blues aussi qui est là, quoi. C'est les deux musiques qui vraiment... Quand l'âme est là, ça va, ça porte encore la même électronique qui pratique. À un moment, tu dis, bouf, tu reçois ça en pleine poitrine. Moi, je suis impressionné. Je suis impressionné par ce qui se passe. Tant mieux, quoi. Mais il y a encore d'autres jeunes qui arrivent. Et parmi ces jeunes, il y a ma fille aussi, qui fait un superbe album. Elle s'appelle Maya Kamati.